plus de 3 mois après, quand on regarde bien la situation aujourd'hui, il n'y a plus de bombardement, il n'y a plus d'attaque dans Misrata. Les forces pro-Kadhafi donc, sont à Brega maintenant, ne bougent plus. Et la zone du Jebel Nafoussa, les forces pro-Kadhafi ont été obligées de quitter la zone et ne sont plus en mesure de bombarder les populations civiles dans cette zone. De mon point de vue, donc, il doit y avoir une solution politique à cette crise. Nous, on protégera les civils, on protégera les civils le temps qu'il faut. Nous recueillons toutes les informations à partir des avions de chasse et des autres avions présents dans la zone de combat. Ensuite, nous les traitons et nous les envoyons directement au CAOC, qui analyse à son tour l'information sur le terrain. Ensuite, ils nous donnent leur retour et nous pouvons ainsi donner les bonnes directives à nos pilotes.